Allô? Bonjour. Maintenant que nous avons fini avec la distillation, il faut passer à la dernière étape qui est la titration. La titration consiste tout simplement à déterminer le volume de l'hydroxyde de sodium qu'il faut, 0,1 N, qu'il faut pour pouvoir neutraliser la quantité d'azote que nous avons dans cet échantillon. Nous avons exactement la masse que nous avons utilisée pour pouvoir extraire. Tout l'azote est à l'intérieur et il faut maintenant pouvoir le titrer. Alors, ce que nous avons, ce n'est pas une micropipette. En fait, c'est une micropipette, mais ici, c'est automatique. En ce sens que nous avons la capacité de pouvoir évaluer facilement d'un et de manière semi-automatique la quantité, le volume d'hydroxyde de sodium qui sera utilisé. Donc, le voilà, il est assez simple. Il est assez simple. Nous avons trois boutons. Là, c'est son écran LCD. Comme vous voyez, ça présente 0,0, c'est-à-dire que nous avons taré. Et puis, c'est un cordon, n'est-ce pas, qui va se brancher au secteur. Nous avons trois là, c'est pour pouvoir faire le reset. Et si on appuie en haut, vous voyez, ça va nous donner le volume que nous avons utilisé la dernière fois. Nous allons tout simplement en bas pour que ça recette. Celui-ci permet de verser une quantité considérable d'hydroxyde de sodium dans notre échantillon de l'ordre de 0,2 millilitres, alors que celui-ci, il est pratiquement à zéro, le troisième à 0,01 millilitres. Donc, nous allons procéder tout simplement. Et puis, vous observerez, l'objectif, c'est que il devienne sensiblement comme celui-ci, jaune. C'est vrai que c'est une technique plus ou moins subjective, dans ce sens que l'appréciation du jaune, de la coloration, peut être fonction de la capacité d'appréciation de chaque personne. Alors, nous allons procéder tout simplement. Ce que nous faisons, qui est ce qu'on peut facilement faire, c'est quoi? Utiliser le bouton du milieu, utiliser le bouton du milieu, oui, et mettre en même temps qu'on est en train de mettre le volume, oui, ça le met sous forme de jet. Ça le met sous forme de jet. Et en même temps, c'est en train d'augmenter. Nous sommes à 3,4 maintenant. Au fur et à mesure, ça augmente. Vous observez tout simplement au fur et à mesure que vous êtes en train d'ajouter, vous secouez, vous secouez. Voilà. Et puis, il n'est pas important d'observer l'écran. Le plus important, c'est de s'assurer de voir quand est-ce que la modification doit se faire. Parce que si vous mettez plus, c'est un problème. Donc, vous n'aurez pas la quantité exacte utilisée pour pouvoir le faire. Donc, vous mettez, nous sommes déjà à 10 millilitres pratiquement là. 10 millilitres. Et on tourne. Et puis, vous voyez, on reste pratiquement à la même couleur. C'est-à-dire, 10 millilitres ne sont pas suffisants dans un volume de 50 millilitres d'hydroxyde de sodium pour pouvoir neutraliser toute l'azote qui est à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que je fais? J'augmente tout simplement, toujours avec le milieu et en observant. Dès que ça va commencer à changer de couleur, je devrais m'arrêter pour aller encore pratiquement au goutte à goutte. Vous voyez.
nous sommes à 12 et il n'y a rien pour l'instant. Donc, vous voyez, jusque-là, nous sommes à pratiquement 13 et nous n'avons rien. Voilà, nous n'avons rien. Vous voyez, 13, 60 et puis c'est toujours hausse. Nous continuons. Ok, maintenant ça arrive déjà. Voilà. On va encore mettre peut-être 3 jets rapides. Et 1, 2, 3. Et puis on va le faire. Vous voyez, ça change de couleur. Voilà. Ça commence à neutraliser, mais c'est pas encore bon. Parce que si vous observez, ça veut dire qu'il faut encore ajouter du réactif là. Donc maintenant, nous allons une fois et nous tournons. Vous voyez comment ça vit directement là. Voilà. Mais jusque là, si vous comparez sa vie, oui, c'est la raison pour laquelle un témoin est vraiment important. Donc là, jusque là, ça ne va pas encore. Et puis, j'ajoute encore un peu. Ça commence déjà jusque là. Vous observez que ça ne va pas, c'est pas encore suffisant. Donc maintenant j'utilise le plus petit là. Donc je peux mettre des micro-gouttes 0,04 millilitres. Je mets, c'est pas suffisant, je vais encore le faire. J'essaye 0,03 millilitres. Ça change, mais c'est pas encore ça. C'est pas encore, vous voyez. Donc il en faut encore. Je mets encore quelques. Voilà. Ça prend encore du temps. Il en faut encore. La prestation peut être peut varier, hein, en fonction de la résolution de l'appareil et tout. De mon point de vue, c'est pas encore ça. Et puis, qu'est-ce que je fais? J'ajoute. Voilà. Je tourne. Voilà. Je crois que c'est en train d'arriver, mais... voilà. Plus ou moins, mais il en faut encore. Voilà. Ok. Comparer jusque là quelques micro-gouttes encore et ça va. Voilà, ok. Bon, là, on peut valider, hein. On peut valider. Je vais le mettre encore. Voilà. À ce niveau-ci, c'est bon. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On relève tout simplement. Ce que nous voyons là, c'est 1561 que je note tout simplement pour pouvoir l'utiliser dans la formule de calcul de la matière azotée totale. Sur ce, je vous remercie.